Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans l'apéro pour cette nouvelle vidéo sur Robocraft. Donc j'en fais une suivante, hein. Tant pis, hein, je vais bien voir. Il y a une mise à jour qui est sortie, donc bon, on peut peut-être espérer qu'il y ait des choses intéressantes qui soient sorties. Je sais que les trucs sont en épique, du coup je sais que ça va déjà être très cher. Donc on va en parler un petit peu ensemble, donc on avait vu ces nouveaux cubes là il y a quelques temps. Là il n'y a rien de nouveau qui est sorti à part des équilibrages de fait. Là, il n'y a rien de nouveau de visuellement sorti, apparemment. Ici non plus, donc j'imagine que ça va être ici alors. Bah non. Nier. Nier. Ok, je reviens, je vais voir, parce que là ça m'intrigue pour le coup. Ça m'intrigue, ou alors c'est en... Bah non, je suis con, je suis dans l'inventory. Non, non, c'est moi qui suis stupide. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc ce n'est pas ici. Avec le MP module qui est toujours aussi cher. Est-ce que c'est ici? Non plus. Hop, là non plus. Donc ça va être ici, voilà. Les voilà. Donc des nouveaux trucs, des nouveaux cubes en fait simplement. Avec des formes très particulières comme vous pouvez le voir. Et qui vont normalement donner des nouveaux robots avec des équilibrages, machin, bidule truc. On va retenter une game. Je dis bien on va retenter une game. On va la tenter en Team Deathmatch. On verra bien ce que ça va donner. Le problème, vous voyez, c'est ça, c'est qu'en fait, directement, le jeu nous propose des choses à des prix exorbitants. Voilà, ça c'est embêtant. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. On va bien voir, hein. On va bien voir. Hop. Moi, je fais un petit trait sur l'épisode de tournée. Crac. Voilà. Hop. Et on est bon. En espérant que cette fois-ci personne va leave bêtement. Ah oui, il y a des effets visuels améliorés. J'ai l'impression qu'il y a plus de lumière sur les armes. J'ai l'impression, non? Oui, regardez-moi ça là-bas. Même les cailloux ont l'air mieux. Bon, là c'est très très laid, hein. C'est même pas normal d'avoir ce genre de choses à l'écran. Mais enfin bon. En fait, ça fait un peu genre, ils ont fait un jeu, ils ont pris une texture au pif, et ils l'ont mise, quoi. Non, non, ça c'est pas normal. Ça, c'est de la 3DS, ça, chers amis. Ok. Hop. Il va se coucher à l'intérieur, oui, d'accord. Ok. Ok, ils l'ont eu. Boum. Oh, le canon. Le canon qui part pas dans la bonne direction. Allez. Hop, les, ça c'est fait. Oula, je suis mauvais. Boum. Oh, on va pas passer loin. Là. Tiens, crac. Tic tac, tu craques. Ah bah, je suis mauvais. Blablabla. Allez, remets-toi, Marcus. En selle. En selle, cowboy. Hop. Oula, je me fais viser. Je me fais viser. Hop. Ah mince. Effet visuel amélioré, hein. C'était ce qu'il y avait marqué dans le patch note, hein. Je précise. Hop, oula. Raté. Allez. Je suis visé, je crois.
Hop. Oula. Est-ce que quelqu'un peut venir s'occuper de lui? Non. Hello. Non, bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Hop, boum boum. Ok. Ah, il y avait une espèce de shield. J'imagine que ça veut dire que je suis protégé pendant tant de temps. Ah, on a été spotted, donc quelque chose nous a vu. Oui, d'accord. Ok. Viens voir papa. Papa va te mettre ta pâtée. Hop. Doombrou. Il cheat. Doombrou, il est où? Il est où? Bah il est où? Ok, y a, apparemment on a un cheat dans notre équipe, mais on sait pas qui. Hop. Hop, pardon. Pardon, j'ai dit. Allez. Hop. Oh, on me le pique. Personne peut s'occuper de ce truc. Ok. Doombrou, mais il est où notre pote qui s'appelle Doombrou? Hop. Ok. Spotted. Ok. Je vise pourtant là où je veux, hein, mais... Ok, il y a un truc bizarre. Crucian, please, what? Bon, s'il passe plus de temps à parler qu'à jouer. Hop. Mince, j'ai vu apparaître, disparaître. Hop, touché. Il me saoule, lui. Il me saoule. No scope. Ah oh, la vache. Je suis vexé. Je suis tellement vexé, il fait que ça. OK. Vas-y, reviens. Reviens, le mec. Il revient, il va revenir, ne vous inquiétez pas. Là, il a du full régène. Hop. Voilà. Apparemment, on a un cheater, hein. Je suis désolé, mais... Ah, je prends des tirs. Thank you.
Ok. Hop. Oh. Hop, non. Non. Ah, mais il s'enfuit quand même. Voilà. Blick, arrête d'écrire. C'est stupide. Voilà. Team Victory. Bon. Eh ben, on est top damage. On n'est pas top score, cela dit, c'est dommage. Bon. Bah voilà. En voilà une victoire. En voilà une victoire. Pas très fameuse, mais victoire quand même. Ok. D'accord. Bon. Si j'avais su, je les aurais pas achetés. Est-ce qu'on en refait une? Est-ce qu'on en refait une? J'aimerais, tiens, juste pour le fun, faire le tutoriel. Vous m'avez dit qu'il fallait que je le fasse pour gagner une protonium. Eh bien, écoutez. On va le faire. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui. D'accord. Ok. Ok. Merci. D'accord. Ok. Armement. Ok. Ok, pourquoi pas. Ok. Hop. Voilà, merci. On peut acheter tout test sur robot. Ok, pourquoi pas, hein. Oui, bah oui, je me dirige comme ça, oui, d'accord. Targeté d'area, d'accord. Wouhou! Voilà. Ok. Hop. Ok, ça je capte. What, ce robot? Mais il est juste tellement stylé. Il est juste tellement stylé avec des bouts de choses partout. Regardez ça. Il y a même des têtes d'aigle sur les genoux, quoi. Hop. Bout par bout, c'est pas grave. Hop. Hop, voilà. You awesome robot crafter. Oh là là, c'est tellement bien écrit. Et donc du coup on gagne une protonium, d'accord, ok. Bah voilà. Il y a de l'épique qui tombe. What? T'es sérieux? Il y a de l'épique. Et maintenant, ah bah ça y est, ils ont bien. Bah maintenant que je peux avoir que la moitié des protonium, bah d'accord, ok, c'est cool. Ok. Bon bah écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Ils sont stylés les robots maintenant, hein. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom dans votre lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yo. C'est stylé tout ça. C'est stylé.